Salut à tous, bande de dunes. Comment allez-vous, bande de petites trucs coquinous? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai. Non, pas dans mon slip. C'est quand même bande de petits coquinouchets. Oui, oui, vous êtes des petits coquins. Bon, alors déjà, il y a un truc qui m'énerve, c'est que je m'étais mis en mode survie, en mode game mode machin. Je m'avais mis en vol quoi. Voilà, vous voyez bien que c'est en créatif. En fait, je m'étais juste gouré. Bon, ok, j'ai rien dit. Bon, soit. Où on est? Mais où sommes-nous, cher Mister Wou? Eh ben, on est. Non, on n'est pas dans ton fion. On se calme, petit coquinou. Que tu es. Nous sommes tout simplement sur une map sympathique que j'ai voulu partager parce que je la trouve très belle. Donc c'est une map tout simplement de démonstration visuelle, bien sûr. Alors vous avez vu sûrement la vidéo, l'autre vidéo où je disais comme quoi je voyais rien dans le truc noir, dans le bazar noir. Vous savez l'espèce de bazar là. Le truc noir là où il y a les mobs qui spawnent, la tour à mobs. C'est parce que avec mon AverMedia, avec mon vidéoprojecteur, en fait, on voit rien du tout. En fait, on voit que dalle quasiment, même rien, et on a l'impression d'être totalement dans le noir en fait à cause des contrastes et tout ça. Donc du coup, je voyais rien moi où j'étais. Mais j'ai vu que après, en exportant la vidéo sous mon PC et en mettant sous le PC, etc., j'ai vu et je me suis dit, ah mais si, on voit même très bien, mais c'est juste que vu que moi je joue avec mon vidéoprojecteur pour revoir la sortie vidéo, ben moi je vois rien sur le vidéoprojecteur, mais en vrai, on voit correctement si on jouait sur un écran normal de TV, quoi. Mais ça j'ai pas. Faudrait que je mette de côté 200 euros pour m'en payer un. C'est prévu. J'ai vu que je dois éviter de crier trop fort sinon ça sature. J'ai vu que le son d'enregistrement audio de mon casque n'est pas horrible. Ça va, il est très bien. C'est correct. C'est pas ouf, mais c'est correct pour en tout cas pour des vidéos gaming. C'est faisable. C'est très correct. On peut avoir mieux, mais voilà, c'est écoutable en tout cas. Le seul problème, comme j'ai dit, c'est le souci de parasites qu'on entend. Enfin, je sais pas imiter parce que c'est pas humain, mais c'est les bruits parasites qui sont c'est constant, donc ça va. Mais on dirait un vieux bruit d'un vieux poste télévision des années 80 là. Enfin, comme si tu regardais comme vous regardez un vieux DVD ou un feuilleton et on entend ce bruit là. Comme si je faisais des vidéos sur bande magnétique haute résolution XPTDR, XPT ou DR, ben ça je sais pas retirer. Je peux pas modifier, je peux pas diminuer, je peux rien faire. Parce que si je diminue, ben le son de ma voix sera diminué avec, logique. La musique avec, logique. Et ça va pas changer autre chose. J'ai vu, c'est écoutable, il n'y a aucun souci. Par contre, je sais pas du tout si c'est écoutable correctement si vous êtes avec un casque. Donc ça, c'est à vous de me le dire, tiens, je vous laisse le droit de vérifier si c'est écoutable tout simplement. Donc on va continuer la vidéo, donc regardez ce magnifique wouwou coquin, ce wouwou coquin, il est magnifique. Donc voilà, on se retrouve sur une création, c'est vraiment du simple création, ça n'apporte rien du tout ce monde. Regardez comme c'est magnifique. On pourrait passer en mode caméra tellement que c'est magnifique. C'est peut-être ce qu'on va faire. Tiens, on va faire le test. On va passer en mode caméra beau gostitude ou complet. Donc pour ça, il faut passer en mode vidéo, c'est ça. Il faut masquer la main et masquer l'aperçu d'équipement et masquer. Il faut tout masquer quoi. Voilà. Et du coup, je passe en mode caméra de merde. Non, je passe en mode wouhou caméra. Donc du coup, je peux faire tout. Bon, là, ça sert à rien parce que c'est un peu nul, mais voilà. Par la suite, il faudrait peut-être utiliser ce truc pour faire de la pub, plus quoi. Voilà, comme ça, vous voyez. Bon, par contre, les nuages cassent un peu les couilles. Mais bon,
j'ai la flemme de les retirer. En tout cas, c'est, il est très très beau ce goût coquin. Voilà. Regardez ce magnifique goût de toute beauté. C'est vrai que je pourrais m'amuser à faire des genres d'intro comme ça. Enfin, vous voyez un peu le délire, quoi. C'est carrément ça, quoi. Bon, après, ça se voit ici que vu la façon que je tourne, parce que vu que c'est par Joy-Con, c'est pas très pratique. J'essaie de faire des mouvements. Ouais, non, voilà, on sait pas. Hein. J'essaie vraiment de faire les plus faibles mouvements pour que ça tourne légèrement, mais non, il n'y a pas moyen. Donc techniquement, le seul moyen pour que ça fasse un peu de truc, c'est que la personne filme comme ça en constant, et quand elle change de plan, elle fait ça, voilà quoi. Mais c'est moins stylé. En tout cas, ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. Joli petit cul. Non, je déconne. Tu sais que t'es sexy, toi. Non, je déconne. Bon, plus sérieusement. À part cette blague bizarre. Enfin, non, c'est une blague. Je suis dans le furie, donc ça va bien avec l'humour qui va avec. Bon, soit. Bon, je me suis compris. C'est du troll. Alors, en fait, voilà, vous avez. Donc, il est beau, quoi, c'est ça que je voulais dire. Enfin, parce que sexy, je sais pas trop si on peut dire sexy à un animal, parce que c'est peut-être plus de l'orientation sexuelle, ça. Donc, ça veut dire que j'aurais des. Je trouve. Enfin, je sais pas. Du coup, je préfère dire beau. Je pense que c'est plutôt beau. Je confonds les deux, en fait. Je sais pas trop lequel est le bon. Donc, veuillez m'excuser. Donc, il est très beau, en tout cas. Il est très beau, il est très magnifique. Donc voilà quoi, je trouve ça très beau. Et j'espère que vous en profitez aussi assez bien. Et voilà, c'était juste une vidéo pour ça, pour vous montrer ce qu'il y a. Parce que je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hein. C'est vraiment une map miniature. Voilà, là il n'y a rien. C'est vraiment juste des wouhou coquins de wouhou coquinoumania. Donc voilà. Hop. En tout cas, ils sont vraiment très bien refait en proportion, c'est dingue. Je voudrais pouvoir faire pareil. C'est du travail de ouf. Je sais pas comment le gars a fait, mais c'est trop beau, quoi. Je kiffe. Le problème, c'est que justement, ce genre de map, à part que ce soit super beau, ben, tu peux vraiment pas faire grand chose dedans. Hein. C'est vraiment une map de décoration, juste pour montrer comme ça les wou coquinouchets qui sont dedans. Mais voilà, moi je l'ai acheté parce que ça coûte dans les 200-300 trucs, ça coûte pas grand chose hein, cette map. Parce que comme c'est juste une map de garniture, après rien ne vous empêche de faire de la survie dans le jeu. Hein. Non, il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. C'est juste que de base c'est pas fait pour ça, c'est tout. Mais rien ne vous empêche de dire ok, je vais quand même faire de la survie à côté de ces wouhou coquins, de wouhou coquin mania. Hop, j'ai une grotte là justement. Let's go survie. Il y a moyen, je pense que c'est faisable. On peut faire de la survie sur cette map si on le souhaite, avec cette petite truffe en garniture que vous pouvez aller revisiter à ce moment-là quand vous êtes en mode survie. Donc c'est faisable. Hein. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est juste que c'est pas vraiment une map faite pour ça, quoi. On peut faire tout ce qu'on veut sur une map et tout n'importe quoi, mais c'est pas une map qui est fait pour ça, quoi. C'est pas du tout ça sa fonctionnalité de base. Celle-là, elle est faite pour la beauté de la chose et c'est tout. Donc je vous dis à bientôt. C'était Mister Wouhou. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo de Wouhou coquin. De Wouhou vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Petit Wouhou Coquin en direct de Wouhou Mania. Bande de toutruffes, un peu plus. Et portez-vous bien surtout. Bande de toutruffes.